to let you be the cab of love. La 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 la. Canada. 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 Hey, not voyage. Les testoniques, hein, quand les Québécois ils vont voir que nous autres, les Anglais qui sont le supérieur, hein, on a traversé la paix, là, juste pour montrer à ce petit monde-là là, qu'on les aime, ça va être le plus beau jour de leur vie. Oh, yeah! Et puis on fait le toast à nous autres, les sauveurs de Québec. Salut, plaisir! Hello, fun! Canadiens, yeah. Aimez le Québec! C'est comme aimer nos femmes, c'est plus facile quand on est pensé. I want for Québec, c'est Québécois de rester avec nous autres. J'ai apporté un petit morceau des Rocheuses. Wow. Oh, c'est sûr, c'est beau. Hein? Ah, si ça, ça ne les convainc pas de rester, là. Ben, malheur, pitié, enfant! Gars, c'est bien important d'être revenu chez vous avant de brûler les drapeaux du Québec, hein, qu'on vous a tout donné, là. Parce que non, ils trouvent pas ça comique, les Québécois. Hey, 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 si le Québec se sépare, il y a un bon pis un mauvais côté. Et le bon côté, c'est qu'on veut débarrasser des mots qui frappent. Le mauvais côté, c'est que les Québécois, ils sont racistes. Yeah. Mm. Puis les ethnies vont vouloir quitter le Québec, vont vouloir venir rester chez nous. No! Ok, t'es-tu prêt? On fait glou, ok? Parce que t'as qu'à passer le vote, on va le passer comme du monde! Salut, plaisir! Allons, pas! Et c'est bon, les référendums! Et de préférer à tous les âges! Allons, Québec! Alors, le groupe de Canadiens en route pour le Québec, vous pouvez sortir par ici. Alors, les autres, maintenant, si vous voulez bien attacher vos ceintures, nous allons atterrir dans quelques minutes. Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'excité! J'achète des paquets de nerfs au Club Price à douzaine! Paquets de nerfs, paquets de nerfs, paquets de nerfs! Attachez-moi, caca! Mesdames et messieurs, Grégory Charles! Merci beaucoup, bienvenue. Ah, ça va pas. Oh, je suis capable de tout faire. Le talent me sort par les oreilles. Regardez, le talent me sort par les oreilles. Regardez, le talent me sort par les oreilles. Mesdames et messieurs, Guy et le page.
Il énerve. Hey, je suis peut-être pas énervée comme Patrice les Pronzac, là. Puis j'ai peut-être pas plein de talent comme le Strombrun. Mais je suis capable de leur dire de manger un char de merde, par exemple. Hey, c'est juste une joke, mais je le parle. Eh bien, ce soir, a besoin d'audience. On a en grande primeur mondiale Miss Smoke Me, Céline Dion. Des maladies de vieux. Aïe, aïe! C'est fini, hein? Oui, viens t'asseoir. Céline, c'est moi qui parle, c'est moi qui fais mon show, hein, c'est mes jokes. OK, Céline? Quand Rémi te fait un amour, là, il pense-tu qu'il rentre dans son argent? Ça va pas, Céline. Le Strombrun, tiens. OK, Céline, écoute pas ton baveux, là, viens dans mon show. Moi, je te niaiserai pas, Céline. Viens-t'en. Moi, le talent, ça va les oreilles. Mais c'est une balade, ça sort pas par la bouche, hein. Hey, le Strombrun, mange un char de brun. Oh, ça va pas. Mesdames et messieurs, en primaire mondiale sur le plateau de Ça va pas, Céline Dion chante. Céline, je vais t'accompagner au piano, puis à la guitare aussi un petit peu, OK? Ça t'en va les oreilles. Merci, Céline. On déteste. Céline, si jamais je peux t'aider dans ta carrière de choriste, tu ne gênes pas. Ah, OK, non, mais je vais pas. Céline, viens de quoi sur mon émission. Moi, je te volerai pas la vedette. Céline, assis-toi, Céline. Seulement trinquée, tu recevras mon émission, Céline. Seulement paquet de merde, tu recevras mon émission. Mais voyons, Céline, là. Céline! C'est une valeur que je sois pas mes tours! Bon, qu'est-ce qu'on fait à faire? On est dans la rue. Bonsoir, ici Aline Desjardins d'aujourd'hui et bienvenue à Desjardins d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes à Cabot-Saint-Acré dans le magnifique jardin de M. Ovid
samedi. Monsieur Samedi, il paraît que vous aimez beaucoup jardiner. Ah, jardiner, triper. C'est quand même étonnant parce que la plupart des hommes préfèrent le golf. Eh, hey, il faut pas de golf, ok? Pas le pot, le golf. Non, non, non. Moi, j'aime pas le golf. Mais même pâté. Votre jardin est monoplantique, c'est-à-dire qu'on n'y retrouve qu'une seule variété de plantes. Comment se nomme-t-elle? C'est du... pas cher. Mais c'est quoi exactement? Du piastre le gramme. Ah, du Dipiatus le Grammus, oui, ah bon, je connais. Et on en retrouve seulement dans la belle région d'Ota. Ah non, on a vu Saint-Denis. Ah oui? Ah, râteau! Excusez mon juron, mais qu'est-il arrivé à ce coin de votre jardin qui est tout brûlé? Madame des terrasses, grosse invasion de sauterelles québécoises, est-ce obligé de brûler quelques plants. Je n'en doute pas, je n'en doute pas. Monsieur Samedi, comment fait-on brûler notre herbe pour la protéger des SQ? Ah, ok, madame m'a déjà expliqué. Ok, d'abord, faire ça de manière sécuritaire pour ne pas mettre le feu au pays. Hein? Non, je comprends. Donc là, couper ça, ça va prendre boule de plat, du piastre. Bon. Ok, après ça, là, le rouler dans le papier, hein, pour la protéger. Hein? Là, coller là comme pot. Ça va le faire. Après ça, rouler deux. Après ça, là, mettre la lumière ça. Puis là, faire attention. Quand la lumière tire la bouche pour aider le feu à propager. Ah oui, okay. Je comprends, oui. Ok, feu. Tant de feu. Oui. Il y a une petite flamme, oui. Oh, mais comme c'est spécial, dites-moi, est-ce que je pourrais essayer moi aussi? Oh, madame des jouets. Comme c'est agréable de jardiner. Et bingo! Alors, c'est tout pour cette semaine. Eh bien, la semaine prochaine, à Desjardins d'aujourd'hui, nous allons aller visiter le magnifique jardin de Vanessa Paradis. Ah oui, mon mouquin! Viens monter ma barricade! Maman, ce soir, ça tente-tu? Quoi? De dormir? Non, que j'envoie mon casque bleu dans ta Bosnie! Hey, tiens, y a quelqu'un à la maison. Mais faut voir, y a quelqu'un à la maison! Hey, ça fait le temps de dormir, réveille-toi! Rentre-tu plus! Allez! Ah, c'est bien lui, ça. Pour qu'il y ait un problème, il fait rien, il vient dans sa brosse. Bon, vous voyez, seul, bon. Je prendrais bien faire peur au voleur. Prendre la photo. En prendre la photo de Tijan, il va se pousser assez loin. Aline! J'ai peur tout seul! Et j'ai crié! Crié! Aline! Pour qu'elle revienne! Tijan! Aussi vrai que t'es pas là, il y a un intrus dans la maison avec un couteau. Puis il est pas normal, il a aimé ta photo. Ne crains rien, je vais te sauver comme j'ai sauvé le Canada. Mais ça, c'est des niaiseries, le papier, la police montée. Allô? Ici Jean Chrétien. La police montée? Puis vous montez chez nous, il y a un gars avec un couteau dans la main là. Non, je suis pas Pierre Brassard. Je suis le vrai Jean Chrétien. Ouais, le vrai sonne moins niaisé que ça. Non, le vrai sonne aussi niaisé que ça. Je sais même pas c'est qui, moi, Pierre Brassard. Un artiste québécois? Ben, je connais juste la sagouine. Non, je suis pas un bleu poudre. Je suis rouge, moi. Vous me croyez pas? Il a raccroché. J'ai le temps de couper. Je vais aller dans la maison. T'as quelque chose? Je viens d'avoir une idée. Hein, pas de faire mal. J'ai le temps de couper. Hé, les truffes!
T'aimes ça de promener la nuit avec un couteau? Oh! Bon, ben, je t'engage pour la prochaine conférence constitutionnelle. M'en avoir besoin de toi pour la prochaine nuit des longs couteaux. Seul le temps de couper! Seul le temps de couper! Quiz. Oh, excusez. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Après avoir formellement offert au Canada un nouveau partenariat économique et politique, dans le cadre du projet de loi sur l'avenir du Québec et de l'entente signée le 12 juin 1995, oui ou non? Alors, la réponse, oui. Alors, la réponse, oui. La réponse, oui. La réponse, oui. Paix sur le piton. Est-ce que je peux avoir un indice? Non. Non! Thank you.
9 à 1, ça fait dur en petit Mario de plâtre. J'ai Bleuet qui me chauffe tellement, m'a fait de la confiture. Oui, parce que toi, tu gaules comme une lasagne. Et toi, qu'est-ce que t'avais d'affaire à aller parler à M. Coré? C'est bien qu'on sauve que ça fait pas aller parler à M. Coré durant un match. Il faut le laisser dormir. Eh oui, mais c'est parce que tu m'as pas donné une petite tache fesse quand je reviens ici du bain. M. Demers, lui, quand je me faisais scorer 9 buts, il me serrait dans ses bras, là, puis il me donnait une petite tape sur les fesses. Oui, ben, à 4 millions par année, engage donc quelqu'un pour taper ses fesses. Hey! Toi, là, t'es en train de me prouver qu'avec un bleu, on peut faire une tarte. Oui, ben, en tout cas, moi, j'ai pas une faiblesse dans tes deux jambes. Ben, tout tu dans tes deux oreilles, tu. Mais c'est quand il m'a dit que je pensais que je devais intervenir. Monsieur Corrie, le président des Coréens de Montréal, m'a dit qu'en tant que pinote en chef, tu devais t'y changer. Mais là, pinote, tu trouves pas que tu vas bébé de sa pinote, là? Oui, mais comme on dit chez Watson, il faut battre le fer quand on est chaud. Moi, je ne suis pas comme le sénateur sort sa berge, Serge Savard. Et je ne dors pas sous la poque. Allô, Monsieur Colorado? Ici pinote. Je voudrais vous échanger, Patrick Roy. Contre qui? Qui que vous voulez, je me fie sur vous. C'est-tu beau? Oh oui, c'est beau. Ça a marché. Alors mon corso, eh bien, bye bye. Pour ta punition, tu vas aller gagner la Coupe Stanley au lieu de perdre ici avec nous autres. Ça t'apprendra. Oui, que ça me ferait de la peine. Mon ami, si je t'ai invité dans ce bar, c'est pour amorcer un rapprochement entre les Québécois de couche comme moi, puis les ethnies comme toi, là, les juifs asthmatiques. Asthmatiques, juifs asthmatiques. C'est pareil. Non. Quand Parizeau a dit que le nom était rentré à cause des ethnies, moi, là, j'étais content parce que je me suis dit, c'est la première fois qu'un politicien a le courage de dire la vérité, c'est à cause des... Oh là, j'aime pas l'habitude. Non, j'ai voté non. Mais là, il avait raison. Mais moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il a dit. Et je crois que les votes, il était aussi chaud que lui. Et ça vous êtes jamais notre avis, hein? Le problème avec vous autres, là, les ovnis, hein? C'est que là, vous vivez au Québec, hein? Là, vous ramassez toute la gang d'asthmatiques ensemble, là, hein? Avec vos petites calottes, là, en parlant de zébreux, là, en sacrant complètement nous autres. Mais nous autres, là, les Québécois, là, quand on s'en va vivre en Floride, là, hein, on vit toute la gang de Québécois ensemble, dans nos petites calottes, en parlant en joie, en sacrant tout le monde? Non. Moi, j'y crois que vie. Ouais, mais c'est pas parce qu'on veut pas se mêler aux Américains. Parce qu'ils s'y sont facilement, ouais. Mais nous autres, les Québécois, là, on vous accepte tellement, on voudrait là, que vous deveniez pareil comme nous autres. Oh, c'est pas nécessaire. Si, c'est nécessaire. C'est... Écoute, là, si t'es le site de mon Alice Rabhi, là, hein, c'est justement pour t'ouvrir à la culture québécoise. Connais-tu ça, les danses Alice? Bien sûr que j'ai connu ça. Bien sûr. Dans les synagogues, on fait les danses à 10. Et oui, on se met 10 personnes comme ça et on fait... Le chœur, le chœur, le chœur, le chœur, le chœur, le chœur.
non, mon papa est brisé, là. Non. C'est pas ça, pas tout. Tiens-toi bien après tes couettes. Ça va être un méchant choc culturel. Chérie, viens ici. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, mon gros lard? Je paye une danse à 10 à mon nouvel ami d'Arras. Ah, boy, je t'ai dit que ça a le boudin poussiéreux, ça. OK. Viens dans l'isoloir, mon noir. Oh, je ne sais pas si j'y peux. Ben, viens. On va voir si tu peux. D'accord, je vous dis. J'ai fait ça pour l'équipe. Ouais. Dis tout ça. Au Québec. OK, mon petit métnique. Vas-y, tu peux me coucher. Bonjour, mesdames. Mais non, lâche-toi la main. Tu peux me coucher partout. C'est une danse cochonne. Vous savez, moi, les danses cochonnes, c'est pas cachère. Bon, tu vois, ça te prendrait une petite coupe spéciale, hein? T'aimerais-tu ça? Non. Merci. Non. Bon, je sais. Vous dites notre printemps. Ça? Non. Merci. Ah! Je sais qu'est-ce que t'aurais de faire. Cet été, on a vu Mitsou se prendre pour une animatrice et Sonia Benezra se prendre pour une chanteuse. Hey, le soleil fait ses forces cet été. La femme de Preston Manning est jamais venue au Québec. Elle n'a pas dû venir souvent chez elle non plus. Les Hells Angels se prononcent pour le nom. C'est tout. Je ferai pas de joke. J'aime ça, vivre. J'ai tellement peur de pétards, je suis même plus capable de regarder mes sous. Pimpon! Vous êtes encerclés par le soir dans ce gang! Les Cartesoux! Les Chutes du Québec! C'est quel est ton escouade? C'est moi, l'escouade! Ici Serge Ménard, le super ministre! C'est moi qui mène! Quelqu'un qui fait, c'est un pétard! Quelqu'un qui mène, c'est un ménard! Et je vais mater les motards! Ben, dépêchez-vous parce qu'il reste juste nous deux! Vos motards que je mets! Et ménard, ça sera plus fort! Oh, lui! Ménard! Wow! Que c'est allé faire de nous autres? Je vais vous les comment ça, tu pensais faire ça, c'est ça tenir en gang, ça c'est tout le monde, fait du bécite, voyons. Parfait! Vous allez faire d'excellentes polices! Quelqu'un qui pète, c'est un contre O.J. Simpson. Maître Marcia Clark, la parole est à vous. Qu'est-ce que c'est ça? Coupez! Et tout,
le papanteux de ma tête, hein? C'est quel est le souci, pense pas? Mais tu peux le sauver les bras ton marteau. Je pose sinon, ah ouais, c'est que j'aime. La fière montre tes jambes avec 100 francs de retenalité. Oh Dieu, ce serait-il possible d'avoir juste une petite lame, pas une grosse pour ton maquillage, juste une petite lame. Ok, merci. Alors tout le monde, on prend ça, mes cocos, hein? On pense encore des coups de 4-4-4-4, c'est un vrai procès. Il faut que ça paraisse. On a plus une action. Bon, ah, mais là, je sais plus pantoute où je suis rendue, moi. Pourriez-vous me donner votre dernière phrase juste plus tôt, s'il vous plaît? Wow! Wow! Merci, juste plus tôt. Alors, le policier Furman, Paulette, a trouvé un tigan. Ma... bon, il est surmonté, là, c'est correct? Je peux dire, ok, culé de sang de la victime chez M. Simpson. Oh, beau bonhomme. Hallelujah! 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 Que le cash soit avec toi! Hallelujah! T'achètes maquillage! Hallelujah! Merci! Hallelujah! Hallelujah! Sweet Jesus Lord! Hallelujah! Bring down the sunshine of me, baby! Que le cash soit avec toi! Hallelujah! Son honneur! Son honneur! Le témoignage du policier Furman n'est pas gros plan. Voilà! Parce que ce policier, on suit mon doigt, est un raciste! C'est juge jaune. C'est pas un raciste. Et pas quoi ce que dit un noir? Va trop vite, prends ton temps, et tire, on peut pas donner avec cette affaire-là. Ah, avec moi, pas changer de minute, sans son commanditaire, là. Ok, d'ailleurs, pour tout le monde, si tu veux serrer, c'est le temps de Roger, hein, place à star. Là, il va nous changer l'action. Regardez, monsieur G, ça pique pas. Maman Nicole aurait dû me donner des gants isotonnets. Les gants isotonnets vivent à toutes les sortes de mains. Et ils ne refoulent pas à cause des tests ADN. Alors, mesdames, offrez à vos maris des gants isotonnets. Sinon, vous pourriez le regretter. Jojo et Blanc-Blanc, avec votre animateur, celui à qui la tireuse de cartes a dit qu'il lui manquait un tarot, George Weller. Bonsoir tout le monde et bienvenue à Jojo Medium Large. Si vous êtes né, sous le signe du Visa ou du Mastercard, on a un avenir en stock pour vous. Téléphonez-nous au 1-900-SUCKERS. Et la voici, le désastre aux désastres, la grosse source en personne, la fée construeuse, Jojo Savard. Merci. Je vous aime. Je suis votre ange gaulard. Je vous envoie mes vibrations. Vous allez voir que l'horoscope, c'est aussi sérieux qu'un rapport de Richard Le Hire. En passant, Georges, vous avez une très belle aura. Merci. Je l'ai louée chez Classic. Jojo, êtes-vous prête à prendre et à prédire l'avenir de quelqu'un au téléphone? Oui, bien sûr. En tant que médium, j'ai une ligne 900 branchée direct dans la tête. Jojo Médium Large, bonsoir. Bonsoir. Je suis un cochon ascendant vieux singe. Ah, vous êtes juge, vous. C'est bien cela. Je vois que vous avez des muscles dans l'anus. Vous n'aimez pas les femmes, vous, hein? Oui, mais c'est réciproque.
Là, je suis un peu inquiet pour mon avenir de juge. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va se passer pour moi en 85. Eh bien, vous allez connaître une année à votre image. Une année de cul. Merci quand même, Jojo. Bienvenue, bienvenue. Jojo, vous êtes fantastique, une vraie Nostradivarius. Jojo, quelles sont vos prédictions pour 96? On veut savoir. Eh bien, le maire de la ville de Québec, Jean-Paul Lallier, va faire construire un colisée plus grand. Mais, Joseph, il n'y a plus de hockey à Québec. Non, c'est pour remiser sa grosse tête enflée. Ah, Joséphine, vous êtes fantastique. Dites-moi, vous est-il déjà arrivé de ne pas prédire quelque chose? Non, jamais. J'ai toujours su si c'était pour arriver, parce que... Daniel Johnson ne pense pas que son leadership est menacé. C'est ça, Daniel. Puis le Père Noël existe, Raël a rencontré Dieu, puis Elvis vient encore. Durant la grève, l'École bleue de Montréal travaille à 50% de leur capacité. C'est déjà le double qu'en temps normal. Hugh Grant s'est fait prendre avec une prostituée qui lui faisait une pipe. Sa blonde a dû avaler ça de travers. De s'emparer du fort et d'obtenir les clés de l'autonomie. On accueille la très unie équipe du oui. Elle se compose du capitaine Jacques Parizeau. Bonsoir, nous allons gagner. De son lieutenant Lucien Bouchard. Bonsoir, je vais gagner. Et du mousse Mario Dumont. Ouais. Première clé, eh ben, il faut monter, venir voir le père Fourreur. Eh oui, c'est comme ça. Allez, cher, venez. Alors, vous avez 30 secondes pour résoudre ma charade. Mon premier, Clyde Wade, est contre. Mon deuxième, Jean Chrétien, est contre. Mon tout est fait de moutons. Le Québec. Oh, là là, là là, mais non, Jacques, c'était pourtant facile. Mon premier, Clyde Wade, est contre. C'est Mitch. Mon deuxième, Jean-Chrétien, est contre, c'est le oui. Mon tout est fait de mouton, un Mitch, oui. Oh là là! Jacques! Eh ben, vous allez devoir aller chercher la clé dans un banc de homards. Eh oui! Ah, ah non, pas encore les homards! N'aie pas peur, Jacques. Les petits homards mangent pas les gros phoques. Allez donc! Il m'a pincé le crustacé. Je l'ai! Je l'ai! Je l'ai! C'est bon, grand-papa! Bon, c'est quoi la prochaine épreuve, là? Traire une vache séparatiste? Faire augmenter la race blanche? Oh non! La prochaine épreuve, là, vous devez empêcher le dollar de tomber! Allez, vas-y, Jean. Tâche le tunnel, puis grimpe dans l'échelle. Trois, deux, un, mais pas ça vite!
Coudon, il est bien enragé, lui. C'est le président Bombardier qui a refoulé, là. Oh, le poulet! Le poulet, mollé, mollé! Ah, là, là! On a perdu. On a perdu, au fond. À cause de quoi? À cause de l'argent et de n'importe quoi. Essentiellement. Il faudra envoyer un des membres de votre équipe aux oubliettes pour toujours. Moi, j'irais bien, mais ma femme veut pas. Ouais, je peux juste me montrer pour plus tard. Ça va, j'ai compris. Adieu, petit Québec. Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous ressembliez à Guy Chevret, vous? Pour que je gagne, fallait qu'on perde. Maintenant, c'est à mon tour d'essayer. Si j'ai bien compris, vous êtes en train de nous dire à la prochaine fois. Passez vos journées à vous dégrader dans des perversités, mêlant la drogue, l'alcool, le sexe et les instincts du bas. Vous avez l'expérience qu'il nous faut. Venez vous joindre aux forces armées canadiennes. Nous, on va vous payer pour faire ça. Les forces armées canadiennes. Si la marque vous intéresse. Hey, on est détail, détail. Il va être minuit dans deux minutes. Mais oui. Qu'est-ce qui arrive à minuit, maman, tu charges ça en dinde? Non, sac à bilan. All right! Mais ça n'a pas d'allure que je sois ici, maman. Le monde va rire de moi, matin. Voyons donc, qu'est-ce que tu penses qu'ils font le monde de l'auditoire? À qui bien, là, il faut que tu bénisses tes enfants. Béné, je suis pas le pape, moi, maman, voyons, béné. Non, mais t'as le papa du Québec. Le Québec, c'est des enfants. Garde ça, là, c'est tous tes enfants, ça. Québec, il doit en avoir une gang de têteux dans la gang. Bon, pas tant que ça, 51% à peu près. Ouais, pas tant. Dis donc, as-tu pris des résolutions cette année, toi? Oui, j'ai décidé de ne plus parler à mes vidanges, moi-même. Oui. Enfin, tu vas pouvoir me parler. Mais non, je pense que t'as pas compris ce que je viens de dire, moi-même. J'ai dit que je ne parlais plus à... Ah, d'accord, on va changer de sujet, là, hein? Non, mais quand même, on a eu une année incroyable, hein? Non, mais c'est vrai, c'est pas croyable de dire qu'on a failli avoir le pays, hein? Ah, hey, on serait devenu, là, paysan. Ouais. Qu'est-ce que ça, t'as-tu pris d'autres résolutions? Ben oui, j'ai décidé, moi, d'être de bonne humeur toute l'année. Ah, hein? Mon Dieu, en quelle année? Pas décidé, alors, pas décidé. Ça approche, faut que tu bénisses. Ah oui, ok, alors mes chers enfants, pour vous bénir, alors mettez-vous à genoux tout le monde. Ah oui, mettez-vous, levez-vous debout à genoux, pas compliqué, là. Ah oui, ah oui. Ben, voulez-vous vous bénir ce matin? Ah oui. Ah. Regarde ça s'ils ont le tour de se mettre à genoux, ben, hein. Oui. On est
est bon, les Québécois, là-dedans. Hein? Oui. C'est drôle, ça me rappelle notre nuit de noces, ça. Ouais, ouais. T'étais le même à genoux devant moi, là, hein? Je voulais juste que tu me laisses sortir de la chambre, c'est tout. OK, OK, alors, tout le monde ensemble, répétez après moi. Je vous salue, Timé. Ça va devenir fou, je vous salue, Timé. Hein? Ouais. Tout le monde ensemble. Je vous salue, maman. Dinde de dinde. Elle a un peu de décorum, là. OK, alors, avant de vous souhaiter la bénédiction, mes frères et enfants, j'aimerais tout d'abord vous rappeler que le plus important, je vous souhaite à tous, le plus important, c'est-à-dire du faux, là, de l'amour. C'est sûr de ça, de l'amour, hein? Alors, le plus important pour moi, c'est de pas laisser les lumières allumées pour rien, baptême. Ça, c'est fatigant. Là, tu arrives à la maison. Là, il est parti, là, hein? Bon, OK, OK. Le plus important, c'est de toffer votre épouse. D'arrêter de toffer votre mari. Tu mets ta broche, c'est 10 secondes, là. Il y a 10 secondes du bec. Ah, non. 96, on finisse les uns les autres par s'entendre pour faire un monde meilleur. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Et comment seront les beaux jours? De la part de Jacques et de la part de Tijac, un gros merci.
Du Bye Bye 95 ont été donnés au Théâtre Aphasique du Québec. Et avant de partir, on voudrait remercier nos merveilleux musiciens sous la direction de Michel Dire. Bravo! Bon! Si la madame était contente, la madame est bien contente! A dit que le nom était rentré à cause des ethnies. Hein? Alors, lui là, qui avait la bière à la tête, c'était la première fois qu'un politicien avait le courage de dire c'est à cause des ethnies. Mais là, je savais plus où je m'en allais, fait que je suis patinant. Québec a perdu les Jeux Olympiques d'hiver à cause des votes des barons allemands, autrichiens, français, suisse et anglais. Encore la faute des ethnies. Des ethnies. Oh non, oui, d'autres aussi. Le pire. Je peux être japonais cette semaine. Juste là, pour voir là, ce petit monde-là, là, être tiré pour les autres, OK? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas. C'est ça, Daniel. Puis le Père Noël existe. Raël a rencontré Dieu. Et j'ai oublié l'autre. Et Elvis vit encore. Je recommence. Aujourd'hui, nous sommes à Canis-Attaqué, dans la magnifique, dans le magnifique merde. Viens manger, qu'est-ce que tu veux? Non, je veux t'en manger un autre char. Vous pourriez le regretter. Mon premier, ça doit être j'ai contre. Mon deuxième, Jean Chrétien est contre. Mon tout est fait de méchouis. Je sais plus ce que je dis. Bien mouton. Mais non, coupé. Écoutez, c'est quand même assez spécial. Dites-moi, est-ce que je pourrais essayer moi aussi? Parce que j'ai un peu peur de... C'est très amusant de jardiner. Parce que demain, il y en a du bon. On est dans la rue, arrêtez. Bonsoir.